Cyril est tout sauf con, et on a, on a senti très vite qu'on les pouvait être très copains. J'ai toujours eu en tête la phrase de ma grand-mère Parfois il y a de l'argent qui est trop cher à gagner. Benjamin Castaldi, animateur phare des années 2000, propulsé sur le devant de la scène grâce au succès de Loft Story, et de retour au théâtre avec un projet très personnel, évoquant le triangle amoureux entre sa grand-mère Yves Montand et Marilyn Monroe. Avec nous, il évoque en privé cette histoire familiale, son rôle de père, sa relation avec Flavie Flamand et Cyril Hanouna. Moi, je ne m'attendais pas à vous voir au théâtre avec ce projet. Est-ce que cela faisait longtemps que vous l'aviez en tête euh, Alors, le, le projet de, de théâtre, il est né il y a quatre ans, cinq ans. Philippe Stolz, il m'a dit euh, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de raconter tes grands-parents avec euh, avec cette histoire qui est assez universelle parce qu'il y a Marilyn Monroe, et puis que c'est une histoire un peu un peu incroyable quand même. On est en 1960. Euh, Mon temps, il vient de triompher à New York. Il vient de signer un contrat avec la Fox. Ma grand-mère va avoir un Oscar. Enfin, tout va bien et patatras c'est quand même tragique c'est une comédie romantique mais c'est quand même tragique et donc on a réfléchi et euh, on, on s'est dit qui pourrait qui à qui on pourrait confier l'écriture de cette de cette pièce et euh, assez naturellement on a eu deux trois idées et, et Eric Emmanuel Schmitt a été euh, a été une possibilité donc j'ai fait euh, j'ai fait mon petit mon petit écolier. Je suis arrivé avec mon petit mon petit cartable, mon petit dossier, et euh, j'ai mis un an à avoir le rendez-vous déjà. Et je lui ai parlé une première fois cinq minutes. Il m'a dit bon ça, je vais réfléchir, ça peut ça peut m'intéresser. Je vous rappelle. J'ai déjeuné avec lui où je lui ai raconté un peu plus euh, un peu plus dans le détail euh, ce à quoi je pensais. Il m'a dit non franchement je pense qu'il y a quelque chose. Et puis il est arrivé le Covid, Covid 2, je crois. C'est plus tellement maintenant, c'est plus. Et euh, il m'a appelé. J'étais c'était euh, euh, on pouvait, on pouvait pas encore on pouvait tellement bouger. Il m'a dit écoute voilà. Euh, euh, J'ai réfléchi, euh, voyons-nous, viens, euh, viens à la campagne. On s'est enfermé cinq jours chez lui. Et pendant cinq jours, on a échangé. Je suis arrivé avec, avec des documents, avec des lettres que ma grand-mère avait écrit pendant cette période. Et, et, euh, et on a commencé, à, et il a commencé à écrire la pièce. Du coup, depuis le départ, c'était ce moment-là de la vie de Montand et Signoret et pas un autre que vous vouliez aborder. Euh, non, c'est cette période-là, absolument. Euh, parce que, parce que moi qui réfléchis beaucoup à essayer de faire un film sur euh, sur eux, il y a malheureusement beaucoup de thèmes qui sont aujourd'hui, enfin qui sont totalement tombés dans l'oubli. En revanche, ça, cette histoire d'adultère hein, qui est somme doute assez banale, euh, ça, ça l'est beaucoup moins quand votre mari vous trompe avec la plus belle femme du monde. <laughs> voilà. Dans la vie, l'adultère c'est assez banal, mais elle a quand même pardonné. Alors ça, c'est ça, c'est ce que c'est ce que les gens pensent. Moi, je pense que tout ça c'est de la façade. Je pense qu'elle n'a jamais pardonné. Je pense qu'elle l'a jamais digéré parce que je pense que quand on se fait euh, cocufier aux, aux yeux du monde entier, je pense que la pilule est très lourde à avaler. Est-ce que vous pensez que la notoriété, ça a forcément un impact sur la solidité d'un couple bah, Je pense que, pour l'avoir vécu moi de façon personnelle, vivre avec quelqu'un qui fait le même métier que vous, c'est forcément compliqué. Et on a beau monter-descendre. Euh, les égaux des uns s'affrontent aux égaux des autres. C'est quand même une source de problèmes supplémentaires. Et dans, le cas, et, et dans leur cas à eux, c'est vrai que quand ils sont à Los Angeles, à Hollywood, bah, ils sont au top tous les deux. Donc. Voilà. Il n'y a, a pas vraiment de, de rivalité. La seule angoisse de ma grand-mère à l'époque, quand, quand mon temps est allé chanter à New York, c'était qu'on qu l'appelle Monsieur Signoret parce qu'elle avait déjà tourné en Amérique. Et son angoisse, c'était que son homme soit pas reconnu pour ce qu'il est lui en tant que chanteur. Si, euh, si jamais ça avait été le cas, et je vous laisse imaginer comment il l'aurait pris qu'on l'appelle Monsieur Signoret. Je pense qu'il aurait, aurait mal vécu l'histoire. Votre grand-mère est décédée quand vous aviez 15 ans. Est-ce qu'elle vous en avait parlé? Jamais. Donc, c'est une histoire à c'est... Non, non, c'est moi, j'en ai beaucoup, beaucoup parlé avec mon temps. Il avait un besoin de se raconter. Donc, il m'a parlé de très longues heures, de beaucoup de choses de sa vie, et notamment de cet épisode-là, qui est un épisode à la fois, euh, anecdotique. En tout cas, pour lui. Parce que, comme tous les mecs, euh, c'est pas grave. Euh, alors qu'en fait, c'est un, je pense que c'est un épisode fondateur dans la vie de mes grands-parents. Il y a eu un avant et un après. Et surtout, ce qui est incroyable, c'est que s'il n'y a pas cet événement-là, je pense que ma grand-mère fait pas la deuxième carrière qu'elle a faite. Parce que, bon, « Casque d'or », c'était une période. « Les Diaboliques », c'est une période. Puis après, il y a eu « Madame Rosa »,« La veuve coudère et » et tous ces films-là. Donc, sans cet événement-là, qui la, qui la bouleverse et qui la, qui la fracasse, elle devient une autre signorée. Elle devient la signorée que les gens ont en mémoire. Parce que moi, moi, moi à l'image de ma grand-mère, c'est pas « Casque d'or », c'est plutôt « La veuve coudère ». Et vous vouliez absolument que ce soit Mathilde Seigner qui l'incarne. Ah, on, a, on a écrit, on a écrit, on a, on, a, on a travaillé avec avec Eric Emmanuel en pensant à, à Mathilde parce que moi je, je la connaissais Mathilde. Alors qu'elle ne lui ressemble pas physiquement, il y a une espèce d'analogie dans la façon de, de parler. Elle a une voix très malborolite et, <laughs> et ça c'est pour cause. Et puis elle a un léger cheveu sur la langue, comme ma grand-mère, et elle a un timbre de voix très particulier. Et puis elle a une prestance, Mathilde, c'est une femme très forte et quand elle vous regarde dans les yeux, généralement, vous en pas large. Quatre ans, j'ai mis à la convaincre. Je comprends très bien quand on est une actrice, on n'a pas forcément envie de s'attaquer à des, à des mythes. On s'est rappelé et c'est bon parce qu'on est allé déjeuner ensemble et on parlait de la pièce, etc., comment je voyais les choses. Donc je la sentais très, 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 très emballée. Mais je dis, mais juste, tu m'as pas répondu à la question. Est-ce que tu veux jouer le rôle? Bah, ben, bien sûr que je veux, le rôle. je veux jouer le rôle. Donc voilà, donc c'était, ça s'est fait comme ça. Lors de l'une des premières représentations, vous étiez entouré de vos proches. Il y avait vos enfants, ils étaient dans la salle. Ouais. Je comprends l'importance qu'ils soient là. Mais est-ce qu'ils ont découvert des choses? Est-ce qu'ils connaissaient ouais. tout le fond de l'histoire ou? Non, mais globalement, euh, le vrai problème qu'on a, c'est que les, 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 les jeunes, c'est très lointain pour eux et c'est assez compliqué de, de concerner les jeunes avec cette histoire. Et la, le seul trait d'union qu'on a avec la jeunesse, c'est Marilyn, qui a traversé des siècles, qui, qui elle, pour le coup, était, existe encore totalement au XXIe siècle, ce qui n'est pas, pas vraiment le cas de ma grand-mère, qui est un peu restée tankée dans le XXe. Et mon temps, il est à cheval entre les deux, quoi. On vous connaît grâce à la télévision, mais il s'est passé des choses avant la télévision. Vous avez fait des études de commerce. Enfin, D'abord, j'ai présenté Sciences Po, euh, où je me suis fait bouler euh, à l'oral. Par ben un enfoiré qui m'a piégé sur une question à la con, c'est une honte ça. Je n'ai jamais digéré, d'ailleurs. Si il me regarde, c'était pas bien de faire ce qu'il a fait. Et donc après, j'ai fait sans euh, secours euh, à Tolbiac. Je n'ai pas été passionné par euh, ça. Euh, voilà. Et très vite, je me suis lancé dans la restauration à domicile. Alors, moi j'ai lu que votre mère vous avait coupé les vivres. Alors, c'est vrai que ma mère m'a coupé les vivres. Euh, elle m'a coupé les vivres à un moment donné parce que j'allais plus trop à la fac. Et elle m'a rendu service parce qu'en fait, elle m'a dit, bah, tu sais quoi Puisque tu vas plus à la fac, tu n'auras plus de pognon. Ce qui est très joli, c'est qu'elle m'a coupé les vivres, mais l'argent qu'elle me donnait tous les mois, elle l'a mis de côté. Et quand ça a été beaucoup mieux, elle m'a rendu l'argent qu'elle me donnait tous les mois. Donc ça m'a fait un gros pécul après. Je suis rentré dans une boîte de livraison de, de repas comme... Euh, euh, attaché commercial. Enfin, gars, bonjour. Et, euh, et j'ai très vite monté les échelons et je me suis finalement associé avec euh, avec, le, avec le patron. Euh, et ça a été une période de ma vie où j'allais à Rangis faire les courses. C'était assez sympa, mais c'était beaucoup de travail. Et il y a eu la guerre du Golfe et, euh, et en fait, du jour au lendemain, on a fermé le restaurant. Enfin, on livrait hein, et euh, on a fermé la caisse. je me Très bien, un, 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 un dimanche et la guerre du Golfe a éclaté deux jours après et on a Perdu 80% du chiffre d'affaires. Voilà. Dépôt de bilan Dépôt de bilan, c'était mon premier. Le, 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 le début d'une longue liste. <laughs> voilà. Et après, je suis parti en Amérique. Je suis parti en Amérique faire de la musique. Pour relancer la carrière d'une chanteuse Oui, relancer la carrière d'une chanteuse, ouais. relancer la carrière d'Esther des, des Galil. Déjà, rien qu'en disant le, le nom de cette chanteuse, je me demande bien ce qui m'est passé par la tête. Elle a eu un, un tube dans les années 60 et, et quelques qui était Le Jour se lève. <t 'en> En m'étant bragué par une espèce d'escroc, qui était l'ancien manager des Forbans d'ailleurs. J'aurais dû me méfier du manager des, des Forbans déjà. Donc il m'a dit voilà, il y a Stagaline qui revient, travaille avec Billy Steinberg qui avait écrit pour pour Developers True Color, donc elle, avec Jeff Skos qui avait fait l'album de Joe Cooker. Enfin, ça sentait assez bon, donc j'ai tout plaqué pour partir là-bas. On, on a fait un album qui est resté euh, dans mon placard, après me mettre délesté de quelques centaines de milliers de francs. Euh, je suis rentré, une main devant, une main derrière. C'est <coughs> comme ça que vous êtes rentré les poches vides Les poches vides déjà, oui, voilà. C'était en juillet 94 et je suis chez ma mère. Je suis en train de me faire bronzer sur, sur un transat. Et euh, ma mère me regarde et me dit « Mais combien de temps tu vas rester à ne rien foutre ?» Drucker lance une émission euh, en septembre. « T'as qu'à l'appeler et, et euh, voilà, tu verras bien. » Et donc j'ai appelé Michel, je racontais mon histoire avec Esther Galli, Il était mort de rire. Et je fais le casting avec Olivier Ménard qui est maintenant est sur l'équipe euh, TV. Et moi je jouais pas du tout à animateur. Mais... Et au début, votre papa, il n'était pas très très tendre avec vous. Ah non, ni mon père ni ma mère, non, non non. Oh, C'est un peu un principe de famille. Il faut, aussi. il faut commencer par casser pour, euh, pour faire grandir. Donc euh, voilà. Et juste avant, vous disiez que vous rentrez des États-Unis en 94 et en 1993, votre première femme. Ah, je l'ai rencontrée bien avant. Je l'ai rencontrée à l'école. Je l'ai épousée. C'est vrai. Et vous avez eu un enfant en 1993, vous ah, aviez oui. 23 ans Non, je l'ai eu en 95 mon fils. En 90, 95. 95 Ah oui, en 95. Non, non, j'avais 25 ans. Mais c'était trop tôt, de toute façon. Je suis très content maintenant, il a 27 ans, je suis grand-père maintenant. Ça a été mon premier garçon, Julien, après il y a eu Simon, qui est arrivé euh, un peu plus tard. C'est-à-dire qu'en fait, on dit qu'il faut faire des enfants tôt, mais en fait non, c'est une connerie, il faut les faire tard. Parce qu'à 25, 30 ans, on pense à sa carrière, on ne pense pas à ses enfants. Votre carrière télévisuelle a explosé en vol avec Love the Story et Secret Story. Je n'ai pas explosé en vol, mais j'ai été mis sur orbite. Ce n'est pas pareil. Ce n'est <laughs> pas tout à fait pareil. Ça fait maintenant 20 heures que nos héros sont rentrés dans la maison. Ils sont donc là pour 70 jours, enfin 69, à partir de ce soir. J'avais quoi J'avais à peine 6 ans, ans de télé, mais parce que personne ne voulait le faire. Donc euh, Comme personne ne voulait faire cette émission, ils ont trouvé un pigeon pour le faire, c'était moi, et ils m'ont rendu service. Voilà. J'avais quitté TF1, je faisais célébrité, et moi je voulais absolument faire de... de du people, du cinéma, faire un magazine un peu comme ça. Et j'avais, M6 m'avait recruté pour ça. Mais ils m'ont dit alors, mais avant de faire ça pour la rentrée, on a un petit truc à vous faire faire qui s'appelle <laughs> le Loft, qui est une mission sociétale très sérieuse. Ça a duré trois jours, hein, le côté sérieux. Après, c'est parti en cacahuète. Une fois que les deux ont batifolé dans la piscine. Euh, mais moi, quand même, moi, moi ma consigne quand j'ai présenté cette émission, c'était surtout, on ils m'ont dit pas d'applaudissements. cest j'ai dit bonsoir à tous dans un silence de mort. Donc Ça vous met pas tellement à l'aise quand vous commencez la. Le premier prime time. Et moi, j'ai très vite pris un second degré quand, pour animer tout ça. Donc, euh, je me suis beaucoup, ma beaucoup marié. Oui. Là, on a appris que Secret Story allait revenir. Est-ce que, je pense connaître la réponse, mais est-ce que pour vous, ce serait impossible de revenir à l'animation Impossible. Impossible et pourquoi D'abord parce que, d'abord parce que, euh, parce que j'ai fait, je me suis peut-être mal exprimé quand j'ai fait mon petit mot sur sur X là. J'ai expliqué, parce que tout le monde me disait, ce que tu vas, ça va être toi, ça va être toi. Donc, j'ai expliqué que, euh, non, on m'avait pas appelé, déjà. Je pense qu'ils font une connerie, parce que je pense que quand on reprend un concept aussi fort que ça, on a plutôt intérêt à prendre le package et à remettre l'animateur d'origine, comme ils l'ont fait, direct Nikos, pour l'Astarak. Mais comme je, je pense que les, les directions de TF1 ne, ne supportent pas, pour des raisons qui leur appartiennent, euh, c'était pas possible de m'appeler. Mais ça tombe bien, parce que, honnêtement, j'ai pas fait tout ça pour me remettre dans une mission que je ne renie pas, que j'ai adoré faire, mais c'est assez futile, c'est très marrant à faire, mais ça c'est futile. Et je crois qu'il fallait me décoller de cette image, d'autant qu'à l'époque elle m'avait quand même fait un peu de tort à TF1, puisque sur la fin je ne faisais plus que ça. Tu sais, les chaînes de télé maintenant, ils lancent aucune nouveauté. Euh, ils, ils ressortent que des vieux concepts, mais au demeurant des très bons concepts. Hein. Euh, la Starac, euh, même si c'est pas dément, euh, si c'est pas dément en prime time, ça, ça fait bien le job au, au, au quotidien. Ils, ils ressortent tous les vieux concepts. Je crois qu'ils veulent aussi ressortir le big deal. C'est un peu désolant. Moi, j'ai créé pas mal de, de, de formats de jeux, mais les chaînes, elles prennent plus aucun risque. Donc, euh, je pense au quotidien, ça va faire son travail. En prime, j'ai je, 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 un doute parce que. On disait tellement, on était tellement euh, subversif à mon époque où on, quand même on faisait des magnétos avec la, la musique du Grand Bleu euh, et on sur une candidate qui avait pris un peu de poids et on l'appelait la Baleine Bleue. Si on fait ça aujourd'hui, on vous fait grossophobie, tout ça. Donc tout tout ça, on pourra plus le faire. Et puis voilà. Et puis au bout d'un moment, j'ai 53 ans. Est-ce que je vais, je vais me retrouver avec des gamins de qui euh, pour retrouver mon pour retrouver mon fils Simon qui fait la télé réalité Il pourrait faire un cigarette. Non, j'ai pas. Honnêtement, j'aurais dit non, à regret, mais j'aurais dit non. Ces années-là, vous étiez vraiment sur le devant de la scène. C'était assez incroyable, mais aussi sur la sphère privée parce que vous étiez avec Flavie Flamand. Comment avez-vous vécu cette période C'est ce qui a tué mon couple. C'est euh, on était, on était les Brad Pitt et Angela Jolie de l'époque. Hein, on va pas se mentir. Je ne sais pas combien de une de magazines on a fait. On était traqués par les paparazzis. Vraiment, c'était vraiment relou. Moi, à l'époque, j'avais dit à Flavie qu'il fallait euh, baptiser avec la presse. Parce que ça, ne servait à rien de. Flavie, ne voulait pas ce que je peux comprendre, hein. Et pareil, question d'égo. Elle euh, était sur TF1, moi je sur TF1. Ça, c'est un mix, un mix un peu de tout. Moi je suis parti un peu en sucette, j'ai pas été extrêmement, j'ai pas été extrêmement fidèle. Et vous avez quand même aussi pactisé avec un magazine pour ce mariage, je crois. Pour ce mariage, pour vous dire, il y avait quand même des, on a, y avait des hélicos. 47 ou 48 gardes du corps pour, pour garder la propriété. Et on a demandé aux invités de laisser les portables au vestiaire. Pas de film, pas de photos à part les photos officielles, parce qu'on était tellement angoissé qu'il y ait une photo, mais c'est une connerie, parce qu'en fait, aujourd'hui, maintenant, c'est… Ouais, bon, bref, et on a vendu ça à un magazine qui n'existe plus, je pense qu'on a pris tellement d'argent qu'ils ont déposé le bilan, qui s'appelait, je sais pas, Ola, je crois, Ola, ils ont fait Ola là, après, je pense, euh, <laughs> et oui, on avait vendu 980 000 francs, qui avait permis de payer ce mariage absolument, ce mariage absolument incroyable de princesse, incroyable. On va continuer dans la chronologie, en 2016 vous rejoignez TPMP ouais. et vous avez dit Cyril Hanouna m'a sauvé. Oui, c'est vrai. Moi je, quand je quittais f en 2015, je fais la, serre, la seule erreur de ma carrière, c'est d'avoir tenté le pari d'énergie 12 qui a été vraiment une grosse 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 connerie de ma part et après ça, je suis resté euh, je suis resté quasiment 12 ou 13 ou 14 mois, je sais plus, sans sans travailler quoi. Donc effectivement quand il m'a appelé, comme j'avais encore un peu d'ego à l'époque euh, on m'avait demandé de, de 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 faire chroniqueur chez Cyril. J'avais fait chroniqueur chez quelqu'un. Vous êtes des malades. Moi, je suis animateur, je suis vedette, je vous emmerde. Euh... <laughs> C'est bien. Hein <laughs> ah, et euh, donc donc forcément, Cyril à l'époque l'a mal pris. Donc on était, je pense à cette époque-là, on était même en guerre. Pourquoi avoir changé d'avis enfin, Parce que Cyril est tout, Cyril est, il est tout sauf con et. Euh et on a, on a senti très vite qu'on être très copain donc euh, il m'a rappelé et c'est vrai qu'on s'est vraiment marré euh, et ça a été sept ans de bonheur voilà. et puis vous avez mis fin au bonheur j'ai mis fin au bonheur financièrement c'est un c'est un énorme sacrifice mais mais j'avais j'avais j'ai toujours eu en tête la phrase de ma grand-mère qui qui, qui disait parfois il y a de l'argent qui est trop cher à gagner. » et moi j'étais arrivé à un stade où j'étais plus du tout heureux dans l'émission parce que c'est devenu une émission d'actu et que j'ai pas envie de donner mon avis sur l'actualité. Même si je pense avoir largement la culture euh, sans prétention pour le faire, j'ai pas envie de le faire. Entre le Hamas, euh, le Hezbollah, euh, pff, que, je, je me connais, j'aurais pas dit un mot. Pendant toutes ces années de TPMP, c'est l'amour fou, et ça l'est encore, avec Aurore. Incroyable. Ouais. Ouais. Aurore, elle a, une, elle a une qualité énorme, c'est qu'elle est très, très, très méticuleuse sur le quotidien du couple. La séduction, se perd pas, que le train-train le, le, le quotidien ne s'installe pas. C'est pas parce qu'on est ensemble depuis dix ans qu'il faut faire l'amour une fois par mois. C'est vrai qu'au début, on a tous vécu ça. T'as as, as la première phase, c'est la passion de, de, de dingue. Après, ça va un peu moins bien. Puis, au bout de trois ans, t'en as, as plus rien à battre. Moi, j'ai vraiment l'impression d'être avec Orre depuis six mois ou un an parce que, à l'entretien, elle te laisse pas, te, elle te met pas en position de faire des conneries. Et il y a autre chose qui peut jouer dans le couple, c'est l'arrivée d'un enfant. Ouais, alors ça, moi, j'étais très inquiet. J'ai été assez macho et je vais faire hurler tout le monde. Mais moi, j'ai dit, mon amour, on a quasiment 10 ans d'écart. Moi, j'ai 50 ans. Si je refais un enfant, je m'en occupe quand j'ai envie de m'en occuper. Je ne change rien à mon, à mon quotidien. Je continue à aller au sport euh, le matin. Je fais ce que j'ai envie de faire et je donnerai le biberon si j'ai envie. Et elle a parfaitement respecté tout ça. Et très naturellement, je m'en suis d'ailleurs beaucoup plus occupé parce que je n'avais pas la pression. Mais ce n'était pas une évidence pour vous d'avoir un nouvel enfant Non, mais moi, moi normalement, je ne devais pas faire d'enfant. Mais quand on aime une femme à la folie et qu'elle qu vous aime à la folie et qu'elle veut un enfant de vous, c'est compliqué de lui refuser. Il y a eu aussi, je crois, un souci pendant la grossesse. On, a, on en a perdu, hein, oui. Elle l'a perdu au début. Elle met à 2-3 mois. Euh, et elle, on a surtout, surtout très peur qu'elle perde le deuxième. Quand vous faites cette, cette démarche de, 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 de faire un enfant assisté, euh, il des, des piqueurs d'hormones, de enfin, c'est très courageux de faire ça pour une femme, je trouve. Euh, et c'est un vrai, un vrai sacrifice. Vous êtes père mais aussi grand-père et les enfants n'ont pas beaucoup de différence d'âge. Ah bah ils ont deux ans d'écart. Dans ma tête c'est compliqué parce que je me sens pas non plus grand-père, je me sens pas super vieux non plus. Donc, parfois, je vois, ce petit, ça pourrait être mon fils, quoi. Donc, c'est un peu perturbant. Il me fait rire parce qu'il m'appelle, il me dit, oh là là, il a 42 fièvres. Je pars aux urgences. Je dis, écoute, chérie, tu vas pas partir aux urgences à chaque fois qu'il a 42 fièvres. Un enfant, ça fait de la fièvre. T'inquiète pas. Donc, il me demande des conseils. il me fait marrer parce qu'il m'appelle, il me dit, voilà il a une gastro, il chie, il il vomit partout. Je dis, bienvenue, bienvenue dans les, bienvenue dans la vie de famille. Après Bungalow 21, est-ce que vous avez de nouveaux projets? j'ai plein de projets. Déjà, on a un Bungalow qui va, comment, qui va certainement euh, je travaille sur le roman de cette histoire où justement je prends le contre-pied de ce que les gens ont toujours cru et ce que ma grand-mère a laissé croire. Donc c'est vraiment mon point de vue à moi, hein. mais je pense que ça a été beaucoup plus compliqué pour elle d'accepter qu'elle n'a bien voulu le dire et que tout ça n'était qu'une posture et que c'est un d'orgueil. D'ailleurs, ce roman s'appellera L'orgueilleuse. La vérité vraie, c'est que s'ils étaient, étaient encore en vie, je ferais pas ça. Parce que j'aurais jamais osé faire ça de leur vivant. en plus, ils m'auraient envoyé chier direct. Ils m'ont dit, quoi, tu te mêles? C'est toujours pareil. C'est, est-ce que, est-ce qu'il, ce tire un fil? Est-ce qu'il exploite un filon? Est-ce qu'il n'en fait pas des tonnes? Mais au fait, maintenant, je m'en tape de ce que j'en pense. Donc, moi, je le fais. Moi, ça me fait beaucoup de bien. J'aimerais travailler sur le film. j'ai une série, une série en préparation avec Angela Laurent. Et si vous faites la pièce Bengalo 21 aux États-Unis, vous aimeriez voir qui dans la peau de Signoret On pense à Kate Winslet dans le rôle de Signoret, Hugh Jackman dans le rôle de Montant. Et Marilyn, on aimerait, on aimerait Margot Robbie, mais je pense qu'elle a autre chose à foutre. Ce serait un très beau casting. Ah, bah oui, c est, c est, non, mais on aimerait que la montage, c'est plus gros, plus fort, plus, plus beau. Quoi. Merci Benjamin Castadi d'avoir passé un moment en privé avec nous. Bah de rien.